Personnage incontournable à Hazebrouck, Jules Auguste Lemire est plus connu sous le nom de l'abbé Lemire. Prêtre, député, maire, il est surtout connu pour être à l'origine des jardins ouvriers, un moyen selon lui d'éviter que la paye de ses ouvriers ne soit dilapidée au café. Derrière cette action se cache un engagement politique beaucoup plus large. Aujourd'hui, sa maison est devenue un musée retraçant la longue carrière du prêtre. La visite avec Alain Molinari. La flèche de l'église Saint-Éloi à Hazebrouck protège encore la maison de l'abbé Lemire, maire de la ville durant 14 ans, au début du siècle dernier. Dans son bureau, ses livres et ses cahiers personnels retracent la vie de ce prêtre, hors du commun, député du Nord de 1893 à 1928. Né en Flandre, à quelques kilomètres de Hazebrouck, il avait gardé un attachement profond à la terre. Et ce qu'il y a d'étonnant quand on lit ces cahiers, moi ça m'a toujours surpris. Vous voyez l'abbé qui était reçu par le président de la République, le président du Conseil. Et en même temps, il revenait dans son cahier, il disait « j'ai bien travaillé cet après-midi, j'ai ramassé mon blé, je l'ai mis en botte ». C'était vraiment étonnant que cet homme était resté un homme de la terre. Magnifique. Et ça c'est un livre intéressant qui avait été fait par un questeur de l'Assemblée nationale. L'abbé Lemire, père des jardins ouvriers, était aussi un fervent républicain, porteur d'idées novatrices pour son époque. Il a lutté pour la limitation du temps de travail, le repos hebdomadaire ou encore les premiers congés maternité. C'est un homme qui a marqué son époque et qui était beaucoup en avant sur l'époque. Il avait des idées tout à fait en avant de 50 ou 60 ans. Son idée première, c'était améliorer la condition ouvrière. C'était ça, c'était la base de son action. Alors il a siégé un moment avec la gauche, un moment avec la droite, mais c'était quelqu'un qui essayait d'être, non pas bien avec tout le monde, mais qui essayait de tirer profit des meilleures idées qu'il y avait aussi bien à gauche qu'à droite. Ses idées, son attachement à la République lui ont attiré les foudres de l'Église. En 1914, l'archevêque de Lille lui a interdit toute nouvelle candidature à la députation. Il sera privé de sa charge de prêtre de 1914 à 1916. Lâché par la presse locale, il créera même son propre journal, Le Cri des Flandres. L'Église avait demandé aux prêtres de la région de ne pas accorder l'absolution à ceux qui lisaient Le Cri des Flandres. Les prêtres étaient chargés d'ailleurs en confession de demander aux ouailles s'ils lisaient Le Cri des Flandres. Aujourd'hui, l'association de l'abbé Lemire et son président, petit cousin du prêtre, œuvre à faire découvrir l'homme caché derrière la création des jardins ouvriers. Contributeur à de nombreuses lois sociales, figure marquante d'une toute nouvelle démocratie chrétienne.